avons 3 enfants cette année au collège. Et notre aîné qui est parti cette année et qui déjà au bout d'un mois regrette un petit peu son cher collège de la Salette. J'ai envie de dire que le collège de la Salette, c'est d'abord un cadre. C'est vrai que quand on arrive ici, on est frappé par le cadre, le bâtiment, la taille du parc. On est vraiment dans un écrin, dans un univers protégé, particulier, qui ressemble à très peu de collèges dans le Jura. On est loin du collège de centre-ville et même dans les petits collèges ruraux, le collège de la Salette a vraiment un cadre à part. Je crois qu'en fait le projet il date de l'ancienne direction en fait, hein. Il y a une dizaine d'années, s'est posé le problème de la survie du collège après les pères de la Salette. Il y a eu des choix cruciaux à faire en termes de recrutement et surtout en termes de projets à mettre en face parce que pour être attractif, il faut pouvoir proposer quelque chose qui sort de ce que peuvent proposer les autres collèges. La priorité, tout naturellement, a été de donner on va dire de mettre en valeur nos propres ressources. À partir de là, naturellement, se sont dégagés les modules. C'est-à-dire l'idée, c'était de faire vivre à nos élèves autre chose que les cours classiques en mettant à profit les ressources dont on disposait. C'est le fameux apprendre autrement. Là, on a vraiment des disciplines très concrètes où les élèves ont la possibilité de mettre en pratique leurs apprentissages. Donc module art, module chant, module théâtre, module multimédia, viticulture, arboriculture, donc déjà là, ils ont un choix à faire. Et le fait qu'ils fassent un choix, toi, ils font un choix en fonction d'eux. Pour ce qui concerne mon fils, il a choisi donc l'horticulture, viticulture. Non pas parce qu'il voulait en faire son métier, mais justement parce qu'en arrivant sur un territoire comme celui-ci, c'était un moyen de s'intéresser à ce territoire-là. Et il l'a vécu comme ça, c'est-à-dire un moyen d'intégration supplémentaire avec ses amis et découvrir quelque chose qui sans doute n'aurait jamais découvert ailleurs. Je pense pour eux, c'est quand même vraiment un temps de concrétisation d'apprentissage. Ces modules, ils permettent donc un espace autre que le cadre des cours classiques et ils permettent aussi aux élèves de pouvoir être valorisés lors d'une restitution en fin d'année, notamment par la fête du collège, quoi. Les voir sur scène, sourire, se lancer des défis, ça c'est bien, quoi. J'ai des élèves qui adorent chanter, qui aiment la scène. Alors ils sont tout timides, mais on les découvre en fin d'année, c'est extraordinaire. Mais je crois avant tout que l'idée, c'était oui, d'avoir un projet novateur qui permette aux élèves de vivre des temps en dehors du temps scolaire. L'idée du groupe couleur, d'abord, c'est de créer un groupe surnuméraire. En général, on a 2 classes et on crée 3 groupes. Donc inévitablement, on a des effectifs plus allégés. Donc ça, c'est la vocation du groupe. Par principe, c'est d'avoir des effectifs en dessous des effectifs classes. Alors en fait, on a constaté qu'il y a toujours 20 à 30% d'élèves qui ont des grosses difficultés d'apprentissage. Donc on a voulu, pour certains cours, alors en l'occurrence français, maths, anglais, on a voulu faire des groupes de niveau. Alors on n'aime pas bien utiliser le terme de groupe de niveau, mais c'est quand même ça. Dans ces 3 matières-là, les élèves sont par groupe de niveau. Donc le groupe jaune qui est plutôt destiné aux élèves en difficulté à un effectif le plus restreint possible, de sorte qu'on puisse vraiment accompagner les élèves de façon individuelle sur ces 3 matières. Le groupe bleu pour les élèves qui, on va dire, ont besoin d'être accompagnés, c'est surtout au niveau de l'autonomie qu'on a besoin encore d'être proche d'eux. Et puis le groupe rouge qui là est plutôt destiné à des élèves qui ont des facilités très nettement dans les apprentissages en termes d'autonomie et à qui il faut qu'on donne un petit peu plus qu'aux autres, quoi. Il faut aussi que ceux-là y retrouvent leur compte et on se dit que sur ces matières-là, les niveaux sont quand même vraiment différents sur des groupes classes et les groupes couleurs permettent cette différenciation. Grâce au groupe couleur, il y a une homogénéité de niveau sur des matières qui occupent chacune 5 heures d'emploi du temps par semaine. Et en même temps, on rejoint la classe permet de rejoindre un niveau global et général sur l'ensemble des autres matières. Ça permet aux élèves les plus en difficulté de trouver la possibilité de progresser, et ça permet aux élèves qui sont brillants d'avoir la possibilité aussi de continuer de fouiller des apprentissages et puis d'approfondir leur travail dans des matières fondamentales comme le français, les maths et l'anglais, sur lesquels on est en groupe de besoin. Il est tout à fait possible en cours d'année de passer d'un groupe à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'étiquette pas nos élèves comme étant groupe jaune de la 6e à la 3e. En cours d'année, comme ces groupes dans les emplois du temps sont alignés, un élève en milieu d'année peut très bien passer d'un groupe jaune à un groupe bleu si on pense que l'autonomie a pu se développer, il a réussi à combler certaines de ses lacunes et il peut très bien suivre le groupe bleu, on le bascule sur un groupe, et dans l'autre sens aussi. Donc ça, c'est une souplesse qui est quand même intéressante parce que les élèves le savent et ils savent qu'ils ont leur chance de pouvoir faire valoir d'autres choses au cours de l'année et pouvoir progresser d'un groupe. Si on veut bien connaître nos élèves, il faut qu'on puisse leur accorder un temps régulier dans la semaine où on peut faire le point avec eux, savoir où ils en sont, comment s'est passée la semaine. Donc ce moment d'échange, pour que ce soit un vrai temps d'échange privilégié, il faut que l'effectif soit en rapport, donc on ne dépasse jamais 15, pour que l'enseignant tout au long de l'année connaisse bien ses 15 élèves et puisse jouer ce rôle d'intermédiaire entre l'équipe enseignante et les parents. Alors le tutorat, c'est vrai que c'est un élément un petit peu à part aussi dans ce collège, c'est-à-dire que d'ordinaire, on a un prof principal qui est un prof référent, et ici, donc c'est un prof tuteur qui n'est pas forcément d'ailleurs un prof qui enseigne à l'enfant. Hein, il a véritablement pour mission de faire le tutorat dans la semaine. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. L'avantage, c'est qu'il a effectivement une personne référente et que cette personne référente l'accompagne tout au long de son année pour un tas de questions qui peuvent se poser dans la vie en dehors de l'école. Ça permet à l'enfant de s'adresser à l'adulte en voyant en lui quelqu'un d'autre que le professeur, mais véritablement quelqu'un vers qui il va pouvoir aller poser des questions, et bon, c'est essentiellement quand il y a des difficultés, mais aussi peut-être pour s'interroger sur certains points. Donc quelque chose de très, très facile d'accès pour l'enfant. C'est vrai que le tutorat, ça permet de connaître plus facilement encore les élèves de façon vraiment individuelle et puis de répondre au plus proche de leurs attentes, de leurs préoccupations. On sait que tel élève, il peut aller loin, on sait que tel élève, il faut essayer de travailler son orientation, parce que bon, les autres collèges aussi, mais comme ils sont moins nombreux, c'est peut-être plus facile. C'est un temps à part le tutorat, et les élèves le savent d'ailleurs. Hein. Moi, je suis toujours frappé de voir que les élèves spontanément amènent un gâteau pour fêter leur anniversaire pendant la séance de tutorat. Quoi. Et ça a l'air de rien, mais c'est assez révélateur du fait que les élèves s'y sentent bien et qu'ils ont envie de faire partager aussi des choses qui leur sont personnelles. Je crois que c'est une ambiance générale qui est très très sympathique, très conviviale. Les enfants se connaissent tous et bon, il y a une approche aussi de l'équipe éducative et de l'encadrement qui est attentive, qui est sympathique. Et c'est assez facile pour les parents d'accéder à l'information, d'aller vers l'équipe et d'avoir des retours. Donc pour nous, c'est intéressant, et les enfants aussi s'y retrouvent parce qu'ils osent parler, ils osent interpeller les adultes. Le fait d'avoir l'école sur place, ça nous permet d'avoir ce sentiment de famille, parce que c'est un mot qu'on retrouve souvent dans la bouche des gens, où on suit nos élèves et un établissement à taille humaine, j'ai envie de dire. C'est vrai que quand on passe la barre des 200, on commence à être sur une autre stature, jusqu'à 200 élèves, on connaît vraiment très bien nos élèves. Notre enfant est à la fois vraiment bien accompagné et dans un sens protégé, parce que c'est vrai que c'est assez petit comme collège. Et en même temps, il y a cette ouverture de beaucoup de matières, de beaucoup de différents profs. Que je connais ici, je ne l'ai pas connu avant, c'est vraiment Le fait qu'il y avait un vrai suivi, qu'on s'occupe des élèves ici, on ne se contente pas de simplement les noter, on fait en sorte de les accompagner jusqu'à leur orientation après la troisième, et ça me plaît vraiment. On a des élèves qui arrivent en sixième chez nous, on les accompagne sur 4 années. L'objectif, c'est qu'ils puissent sortir du collège en ayant progressé, s'être épanouis et puis trouver une voie d'orientation qui soit la leur. Le collège de la Salette a quand même bien évolué. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut entendre. Le départ des pères de la Salette, cette fois, ça fait 30 ans. Essayez. Venez voir ce qui se passe chez nous et essayez. Et vous verrez que l'organisation originale et pédagogique qu'il y a dans l'établissement peut amener des choses à vos enfants. C'est différent d'ailleurs, essayez. Moi-même, quand nos premiers enfants sont arrivés là, je me suis dit, bon, ça me donne envie de revenir au collège, c'est merveilleux. J'ai 2 autres enfants qui attendent avec impatience de pouvoir entrer en 6e. Il faut se poser la question de savoir si on veut apporter plus à nos enfants que le strict bagage éducatif que l'éducation nationale est censée apporter. Si vous voulez un petit plus, si vous voulez quelque chose qui sort de ça, en termes de vie en société, en termes de connaissance de soi, je pense que le collège peut répondre à ça et peut permettre de construire des citoyens, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, on est aussi dans ce cadre-là. De la 6e à la 3e, on voit évoluer nos élèves, et en 3e, quand on voit leur esprit d'initiative se développer, leur autonomie se développer, leur esprit critique se développer, on se dit qu'on a aussi rempli une part de notre mission en termes de construction de citoyens de demain.